Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai fait grâce. Alors aujourd'hui je vous ramène la vidéo de la décoration. Je vais voir comment est-ce que ça va se dérouler, sinon on va faire la deuxième partie car je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Je préfère que ça soit court et moins important, court et très important, que ça donne les gens le temps de regarder et d'apprendre, au lieu que ça soit trop long et inutile et ça donne même pas envie de regarder et d'apprendre. Alors là on va passer à la première partie de la décoration, ça sera côté des salons, living room. Alors notre salon, ce qu'on va essayer de décorer, c'est un peu, c'est débrayé, on entre vraiment dans les faux folles pour l'inspiration va venir seulement durant ces moments-là. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit, donc l'inspiration va juste venir comme ça. La seule chose que j'ai planifié, c'est ma doudou que j'avais acheté, ça date de longtemps, c'était dans la maison, alors j'avais acheté ça pour embellir dans les salons, pour avoir un peu des couleurs flashantes aussi. Ça fait quand même du bien, vous savez, changement de la température, printemps, je sais pas, automne, des affaires comme ça. Quand il y a des petites couleurs, ça fait quand même du bien les voir. Donc là, je suis toujours en train de parler visuel. Alors, je vais dire direct, je ne sais pas si c'est visuel, comment on dit ça. Et c'est un week-end, chez moi, il y a des enfants, je suis la maman des 5. Donc, il faut s'attendre qu'il y aura les bruits par-ci, par-là. Donc, je voulais fermer les sons originaux pour faire l'audio qui puisse permettre à tout le monde de bien m'écouter. Alors, pour ne pas trop parler, on va passer à l'étape de notre décoration. Mes coussins, je les avais déjà lavés la même journée que j'avais fait le nettoyage. J'avais lavé ça dans la soirée, tout est bien lavé et propre. Donc là, on passe directement à la décoration. Restez connectés, on se retrouve dans quelques secondes. Bon, c'est parti là, j'essaie d'expliquer qu'à chaque fois que j'essaie de plier mes coussins, quand on met au milieu, juste pour faire la petite forme là, un peu comme étoile, comme les autres, les filles dans les autres vidéos, mais avec mes coussins, en fait, ça fait pas. À chaque fois que j'essaie de faire ce genre de style là, ça retourne encore droit, donc peut-être mes coussins sont trop durs, il faut peut-être que je prenne des coussins trop mous. Pour que ça puisse fonctionner, je sais pas, j'ai tout fait, mais ça fonctionne jamais. J'essaie même en dehors de la caméra, mais ça fonctionne jamais, ça retourne. Bon, alors on va continuer dans ce genre de rythme comme ça. Donc là, on va mettre à peu près 9 coussins et l'autre côté, on va mettre la moitié des coussins. Et vous allez voir par la suite qu'est-ce que je vais ajouter à la place des coussins qui vont manquer par-dessus. Donc, on se retrouve encore dans quelques secondes. Bon, pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Fanny, la maman des 5. Sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos pour la motivation, encourager toutes les femmes qui ont nombreuses familles comme moi. Alors, je vous demande d'abonner-vous massivement pour me soutenir. Merci beaucoup d'avance.
temps, là j'ai terminé de placer mes coussins et là j'ai placé ces doudous en forme juste pour avoir une couleur flashante dans les salons, parce que alors les gris, il y a mon chaise là-bas, j'avais des, l'autre je l'ai mis dans ma chambre, il y avait les roses et le vert comme ça, mais dans les caméras ça sera un peu plus foncé, alors j'avais des comme ça et donc je laisse l'autre, ça faisait au moins les couleurs, alors j'essaie aussi d'ajouter ces doudous que j'avais acheté à $12 juste pour embellir, au moins avoir un peu des couleurs aussi flashant au lieu d'avoir juste une seule couleur. Vous savez, quand il y a deux ou trois couleurs qui se concordent, ça fait quand même du bien. Donc je sais que ma doudou elle est un peu grosse, moi-même je croyais que c'était petit, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment gros. Alors je vais essayer de faire des momies en fait, juste pour avoir une petite couleur dans mon salon. Donc c'est ça. Alors c'est ça, je voulais suivre au rythme de la musique et on se retrouve encore tout à l'heure. Décorer déjà la table du centre, donc je vais mettre mes livres Chanel, les restes de Prada et Guess, je vais les mettre là-bas au milieu, et je vais mettre une boîte de Kleenex sur la petite table, et aussi je vais mettre l'équerre, un déco de forme d'équerre par-dessus des livres, ou soit je vais le laisser là, et mon déco des assiettes vertes avec mes déboules va rester exactement comme ça là-bas. Ensuite, c'est vrai, juste comme ça, c'est juste simple, juste embellir sur la petite table. Alors, on apprend de jour en jour. Si c'est pas bon, vous le me direz dans les commentaires pour m'aider. En fait, quand je reçois des commentaires, ça m'aide à s'améliorer pour éliminer aussi d'autres choses, parce qu'il y en a d'autres décorations. Je n'achète pas, c'est ce que j'avais acheté depuis longtemps et ce que j'avais déjà dans la maison, donc j'essaie de changer. Je peux dire que depuis que j'avais déménagé, je peux dire à peu près 10 décorations que j'ai déjà achetées, mais sinon c'est des anciens que j'essaie de changer chaque jour. Donc c'est ça, alors juste dites-moi si c'est trop, si c'est moins, en fait, que je peux toujours ajouter, éliminer en jouant seulement avec des couleurs par-ci, par-là. Alors, après mon foyer, je vais aller là-bas, fixer bien nos cadres des photos qui sont là. Et il y aura une cadre qui en a pas, ma fille est née. Elle n'arrive pas à se décider quelle photo qu'elle veut mettre là-bas. Alors, on la laisse le temps de se décider la photo qu'elle veut mettre.
Donc, c'est ça, on est tous là, il manque juste elle qui n'est pas encore là. Et je vais juste essayer de placer comme il faut. Vous avez vu dans la vidéo avant des motivations, comment est-ce qu'il y avait la poussière et tout. Mais là, c'était tellement fraîche. Quand j'ai décoré, j'ai senti même l'odeur dans mon nez bien, bien parfumée. Alors, c'est ça. Donc, je vais juste vérifier encore, faire des tours pour être sûr qu'il manque de rien avant de regarder si on va continuer avec la deuxième partie ou ça va rester comme ça. Donc, c'est un peu ça. On va juste ajouter ces petits anges-là. Et c'est ça. Bon, je vous laisse visionner au rythme de la musique. Thank you.